bien le bonjour Matelot. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle mise à jour de Sea of Seas. Je vais faire une nouvelle série de tutoriels concernant les royaumes engloutis, les sanctuaires. Donc vous pourrez le trouver indiqué sur la map. Vous en avez 6 au total. Quand vous êtes à proximité, vous avez des lueurs bleu-violette dessus. Donc vous plongez, vous foncez dans les abysses jusqu'à trouver l'entrée. Donc selon les sanctuaires, les entrées sont différentes. Donc vous avancez et au fond de la mer, posé sur le sol, vous trouverez un squelette avec le bras tendu et un livre posé en dessous. Le premier journal est à votre portée. Vous continuez d'avancer, vous battez les requins, vous les tuez tous. Et vous aurez ensuite une énigme, comme dans la fable 2 de la Vive la piraterie. Système déjà connu, vous mettez les bras de sirène comme il le faut et vous validez avec la sirène principale. L'eau vous fera monter sur l'étage supérieur. Une fois en haut, regroupez vos trésors et sur l'étage, dans la chaloupe cassée, à côté de la boîte de munitions, vous trouverez le journal numéro 2. Vous aurez ensuite une seconde énigme du même genre, avec les bras de sirène. Vous les placez comme il faut et vous validez avec la sirène du dessus. L'eau continuera à monter pour accéder au troisième étage. Il faudra vaincre une vague de squelettes, récupérer vos loots, amenez-les à la sirène, vous pourrez en stocker jusqu'à 20. Montez la poutre et en haut, vous trouverez le troisième journal derrière les planches de bois. Escaladez ensuite les morceaux d'ossements et au bout, à côté du récif le bleu-violet, vous trouverez le quatrième journal. Revenez sur vos pas, dans la mâchoire de mégalodon, il y aura un bouton à utiliser pour ouvrir la porte aquatique. Rentrez dedans. Battez une fois de plus tous les requins, récupérez les trésors, amenez-les une fois de plus à la sirène pour les stocker. Avancez jusqu'au fond de la pièce, à côté du squelette, vous trouverez un journal, le cinquième et dernier journal. Utilisez le bouton ou la sirène pour retourner à votre navire comme vous le souhaitez. Une fois à votre navire, cherchez la sirène à proximité pour lui demander de vous ramener les loots que vous avez stockés. Récupérez ça, plus qu'à harponner tout le loot et GG. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. A bientôt, maudit pirate !